les gars, c'est Kiroa et Majin Buu. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo du duel pour tenter de battre cette fois-ci Vegeta INT demi-code tier. Donc son event, on s'est dit que c'était, je vais vous montrer ça juste avant. Comment ça, il y a écrit les élèves déterminés à surpasser les dieux, donc du coup ça va être avec une team de dieux. Voilà, en gros on a mis bon, alors il y a des Saiyans certes, y a des mais il y a pas assez de cartes Beerus, ou alors on en possède pas assez et de Whis, et du coup ils ont le même nom, donc on peut pas les mettre. Du coup on a quand même pris des Saiyans, donc on a pris Vegeta Blue forcément, sinon c'est un peu compliqué. Jubai, c'est une facilité, mais on voyait pas qu'il mette d'autres. On voyait pas qu'il mette d'autres à part un Goku Aji, mais il moi je l'ai pas. Moi je l'ai, enfin je l'ai eu, mais je l'ai donné en spé à Goku à Jubai. On a les mêmes cartes du coup. Voilà. Donc le Goku Intelligence qui a sa place. Ouais. Beerus. Qui en plus Goku vient d'avoir un Dokkan sur la Jap. Sur la Jap. Beerus qu'on a eu nous deux en quadruple en simple. Voilà. On l'a pas encore monté, mais exactement. Bon. Le Whis, parce que c'est un jeu aussi. Hein. Et ça peut servir pour Senzu. Ça peut servir en tant que Senzu. Et le dernier, on savait pas qui mettre. On savait pas qui mettre, vu qu'on avait les mêmes cartes nous deux. Du coup, on s'est dit, bon, allez, Vegeta. On va mettre ce gadjo de merde. Ouais, par contre, toi, tu l'as pas entraîné, t'es sûr de. Ouais, non, je pars avec. Ok. Du coup, c'est parti. Du coup, on va partir. Donc, pour ceux qui savaient pas, qui ont pas vu la première vidéo, le duel, c'est celui qui. On mettra un petit i en haut. Ouais, on vous mettra un petit pour aller voir la première vidéo. Pour trouver la première vidéo en haut à droite. Vas-y, explique juste cette question. Juste, c'est. On part nous deux avec la même team ou à peu près exactement la même compo. Ah, perso près. Avec une team spéciale. Donc, par exemple, là, c'est la team God. La dernière fois, c'était une team c'était avec une seulement team de deux Omega et on essayait de battre Vegetable avec seulement deux Omega. Voilà. Du coup, on fait des petits défis comme ça. Moi, j'ai lancé. Voilà, là, c'est la deuxième façon. Une fois qu'on arrive contre le Vegeta, t'attends. Enfin, oui. dès au moment où on est là, on fera. Donc là, c'est de la chance, hein, celui qui a le plus de ki et tout ça. Là, c'est un peu de la chance. Moi, du coup, je vais partir. Moi, je pars à droite toujours. Ouais, moi, je pars à droite. Moi, c'est le Vegeta qui prend du ki. En fait, là, la rotation que j'ai au début, par contre, elle est parfaite. La première fois, je vais la one-shot. Moi aussi, je pense, ouais. T'as un Vegeta Blue dans la première? Ouais, j'ai un Vegeta. Tant que t'as un Vegeta Blue, c'est bon. Et moi, je vais devoir sacrifier le Goku, je crois qu'il a pas des mauvais liens. Non, il a des bons liens. Il a du vitesse époustouflante, je crois. Il a du. Par contre, voilà, dès que t'arrives sur le Vegeta, après moi je t'attends. Donc là, j'arrive ouais, à. Justement, parce que c'est celui en quelque sorte qui réussit le plus rapidement, même si c'est pas non plus un jeu de rapidité. Voilà, déjà faut survivre, mais si lui. En fait, nous, on fait pas. Il y a pas de calcul de points. Oui, la dernière un... fois, ouais, je l'ai terminé, pas lui, mais il y a pas 1-0. C'est juste un duel. On voit ce qu'on peut faire avec cette team, et je t'attends. Tu me dis quand le tu premier veux... qui gagne, bah voilà. Voilà, c'est ça. Donc là, alors, c'est bon, on compte jusqu'à 3. Perso. Tu me dis bon. Vas-y, 3, 2, 1. Tu as toi. Tu me dis. C'est bon, tu peux jouer. 3, 2, 1, vas-y, go. On commence. Le Beerus qui n'a pas activé son passif pour moi. Ah oui, toi t'as le Beerus dans la première rotation. Ouais. Dis-moi. Ouais, il part direct. Hein. Bon, normalement, j'ai le one shot. Le Vegeto qui va sûrement one shot aussi. Oh, oui, il va sur one shot. Bon, il a 15 000 le mien. Enfin, c'est pas le mien, c'est celui en ami. Ah non, moi j'ai eu celui d'ami. Putain, il pue la mort l'ami. Le petit contre à 104. Enfin, à 200 000. Mais, La première phase et la dernière phase, en fait, ça va être les plus simples. La plus dure, ça va être la puissance, je pense. La puissance. La puissance, ça va être la plus dure. Parce qu'avec les deux Vegeto, moi j'ai déjà passé le premier. Non, moi, aussi. On passe directement à la phase tech. La phase tech. Là, ça va être. La phase tech, c'est. Il va falloir éviter Jubai. Enfin, voilà, on va éviter Jubai. Ouais, Jubai, il est pas mal critiqué et tout ça, le mien, donc ça va être pas trop mauvais. Le Vegeta qui prend 15% d'attaque en plus par sphère de ki, mais bon, qui. Je vais partir Whis, parce que si Whis il stun, ça me permet d'éviter des dégâts. En plus, Whis peut stun. Et du coup, si stun avec Vegeto, tu fais. C'est pas grave, au moins tu prends pas de dégâts. Ouais. Parce que Vegeto Blue, tu vois, c'est 30%, hein, donc c'est pas. Bon, là, c'est pas un défi très compliqué. C'est pas... hein. Là, c'est pas du tout le plus dur. Mais en fait, on a essayé de faire avec seulement moi. De mon côté, j'avais essayé. En fait, avant de faire une vidéo, on essaye pour voir si quand même c'est faisable. Et avec double Vegeto Blue et que des Cyberman, c'était impossible. Ouh, la double attaque. Impossible, fait. Parce qu'avec double Vegeto Blue et que des Cyberman, t'as quand même que 26 000 PV. Le souci, c'est que, ouais, il y a la phase. 26 000 PV, c'est... tu te fais défoncer à la phase de puissance. Ouais, la phase de puissance, il nous éclate. Le critique. Oh, il a activé son passif là, non 36 000. Il a 36 000, il a activé son passif, ouais. Ouais, il a activé. Moi, il passe à 50 000. C'est normal, le tien est bien monté, le mien, il est pas du tout monté. Du coup, moi, j'ai monté. Putain, en vrai, 150%, c'est énorme. Hein. Tu me dis, si t'as un full arp spell, ouais, il a des bons. Il a des putains de liens. Non, mais il a des putains de liens, le Goku. Le Goku qui a pas des mauvais liens. On va essayer de stun aussi. Bah, de toute façon, il est mort. Par contre, je crois que je vais mourir en vrai. Là, en plus, c'est contre le bon type, donc du coup, j'ai rien à craindre. En vrai, je crois que je vais mourir. Ah ouais, directement. Je suis pas sûr. Si Dubaï, il fait un critique, c'est fini. Critique. Pas de critique. Tu vois, lui, il se prend une spé, je suis mort. Si, moi, si, c'est moi, juste fait. Bon, moi, j'ai déjà passé la phase. On passe maintenant à la phase la plus dure. La phase puissance, non, c'est. C'est chaud. Putain, en fait, j'avais la flemme parce que. Et là, c'est Jubai qui va faire plaisir. En plus, le petit Whis. Ah, t'as la phase puissance, je crois. Putain, il y a les pompiers comme d'hab. Les pompiers. Vous connaissez. Vous les connaissez. Ah, par contre, on va garder le. Ah, c'est un nuqueur. Attends, on va voir combien il prend. S'il prend 5 sphères, il monte à.
En vrai, il est pas maxé. Il est pas maxé ni rien. Donc ça passe une fois. Allez, un critique, il est mort. Je vais juste peut-être. En fait, s'il m'attaque spé sur Dubaï, ça me fait rien. S'il attaque spé sur Dubaï, par contre, Vegeto Blue. Par contre, s'il m'attaque spé sur Vegeto Blue, je pense pas qu'il me mette. À toi de voir, mettre 100 000. Je crois qu'il peut mettre 100 000. 100 000, je sais pas en vrai. 100 000, ça me paraît beaucoup quand même. Là, je peux pas mourir. Je vais me régénérer parce que c'est trop chaud sinon, mais. Parce qu'il va rien, il va rien mettre du tout à Dubaï. Je crois qu'il va lui mettre Dubaï, du 30 000, je crois. Du 30 000 sur. Ah, on attaque spé. Ah, bah ok, bah parfait, il tape en spé. 24 000. Tu vois, ça va, 24 000 ça. Allez, Dubaï, mets-lui un petit critique ou punis-le. Non, voilà, bon. 500 000, l'attaque sup à 70 000. On... Ah, l'attaque sup de. Ah, ok. On auto-attaque 70 000. Par contre, Vegeto Blue, il fait rien du tout. Ouais, il fait. Okay, il fait en fait, c'est cette phase qui va nous casser les fesses. C'est cette phase. Après, on a Dubaï là, donc c'est un peu une simple. Enfin, c'est un peu simple. Regardez, en vrai, un tour, moi, j'ai enlevé tout ça là. Ouais. Mais bon, car lui, il frappe assez fort. Hein. Sachant qu'on a le lien gourmet aussi, qu'il faut. Oui, mais il va servir à rien. Le lien gourmet qui permet de récupérer 5%. Il va servir à rien, le lien gourmet, tu vois. Et qui frappe un peu plus fort aussi. Regarde, il frappe quand même à 170 000 hein, avec le lien gourmet. J'ai bloqué sa spé. Peut-être 300 000. 300 000 je pense avec le lien gourmet. Ouais, je sais pas, on verra ça, on verra ça. Attendez, je vais s'éternuer, désolé. Ah, t'as vu quand il a. Vas-y, 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 je t'en prie. J'ai envie d'éternuer, ça m'énerve. Ou tu vas derrière au pire. Ouh, le critique de Vegeto. Ça, c'est bon ça. Ah. À tes souhaits, mon gars. Oh là 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 là. Le critique de Vegeto Blue. En vrai, je crois que je vais devoir me régène encore. Ouais. Parce que ça va être chaud. Moi, normalement, il peut pas m'attaquer, donc il va pas me tuer. Mais on va faire ça. En vrai, 100 000. On va faire ça. Pas mettre 100 000. Ouais, il peut pas me mettre 74 000 lui, en il va normal. S'amuser un peu. Il est qu'à 19 000 en estime. En fait, tu l'as pas éveillé. Mais tu l'as pas éveillé. Lui qui l'est pas éveillé du tout, il. Tu l'as pas éveillé. Rien du tout. Ouh, 423 000 en critique. Allez, tue-le. Critique 70 000. Bon, il est mort là. Encore une attaque spé. Là, il est mort, c'est sûr, il est mort. Ah, Vegeto Blue. Ouais. Encore une attaque spé. Oh, yes, l'attaque spé. Le critique. La critique, le tu critique, je termine. Ouais. Oh oui, parfait. Moi, parfait, c'est Dubaï. Moi, c'est Dubaï. Par contre, ça va être vraiment simple, je crois. C'est un peu simple en vrai. Et bon, de toute façon, c'est celui qui le réussit le plus rapidement. Alors là, on va faire ça. Allez, Joubei. Joubei. Bam. Ok, parfait. On va faire ça. Lui, on va lui faire partir en cas où s'il peut stun. Ou si. À préciser que dans nos unités, toi, t'as Vegeto Blue, Dubaï, Spé 10. Moi, j'ai. Vegeto Blue, Spé 10, c'est tout. Un peu plus monté à l'arbre que moi. Et ouais, aussi, ouais, t'as Dubaï SP. Et t'as un bon Vegeto Blue. Toi, t'as Dubaï SP. T'as un putain de bon Vegeto Blue. Ouais. Ça, faut pas le gadgeter, ça. Après, il a juste fait ça. Enfin, il a juste fait une bonne partie. Ouais, mais ça sert de ouf. Hein. Crois-moi, ça sert de ouf. Pas puissance parce qu'il a fait. Vegeto Blue, il est capable de faire une game tout seul. Hein. C'est ça le bordel avec Vegeto Blue. Ouais, bah. Il, frappe, il peut frapper 8 fois dans la même tour. 33 000, bon, ça. Moi, tout va jouer là-dessus, en vrai. Tout va jouer là-dessus. Par exemple, pas de critique. Je pense terminer avant toi. Ouais, ouais. Je pense terminer avant toi. Normalement, ouais. Allez, un petit critique, toi. Une double attaque. Non, rien du tout. Regardez comment il tank hein, quand même, le petit. Petit Dubaï. Le petit Dubaï, bah, Dubaï quand même. Attaque plus 10 000. Dev plus 10 000. Dev plus 10 000 en. Et attaque plus 20 000. Oh, oui, 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 mon petit Betty. Non, ça, on va plutôt faire ça. Même si. Enfin, il n'y a pas le lien gourmet qui est activé là. De toute façon, gourmet, ça ne sert à rien. Avec les unités de merde qui font ça. Virus, il frappe fort, il frappera à 300 000 et quelques, hein, 400 000. Je suis pas sûr. Ah oui, toi, il est SP3, c'est. Ouais, moi, il est SP3, il doit monter. Il est SP3, le gadio. Bon, normalement, il devrait pas me tuer, sauf s'il m'attaque spé, peut-être que. Si t'attaque spé, tu penses que tu meurs ce serait con de mourir. Hein. J'ai mal joué, je crois. Ah. Non, 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 tu non, tu vas le tuer. Tu ouh, le petit critique. Tu vas le tuer. Allez, un critique encore. Non, ça va, il. Bon, là, non, encore non, un critique, putain. Là, je crois que je vais. Ah non, il m'attaque spé. Sur qui? Sur Vegeto Blue. Non, 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 tranquille, tranquille. Tout dépend combien il met en fait. Non, non, il met 30 000 normalement. Ouais, il me reste pas beaucoup de vie, justement. Il me reste 14 000, non, ça va aller. Non, non, non. Le critique, et voilà, et voilà, j'ai terminé avant toi. Il te reste encore 2 barres. Ouais, mais t'as triché, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, t'as pas triché, mais le problème en fait des Vegeto Blue. T'es en Dokkan mode, toi, carrément. Alors. Oui, mais, moi, j'ai pas oui, mais regarde pourquoi. Refais la... Par exemple, si on refait la game et que t'as pas un Vegeto Blue à 15 500, oui, mais tu prends un comme le mien, je te jure, tu termines pas comme ça aussi. Mais GG en tout cas, GG. Ah, on peut pas monter, enfin, on peut pas montrer. Donc en fait, le problème de l'arbre, c'est que maintenant, c'est plus du tout. T'as beau avoir les mêmes teams, la différence, c'est que par exemple, son Vegeto Blue. Le mien, par exemple, il a que 12% en critique, le tien, il a 30%. Ouais. Et ça, ça change énormément la game. Parce que là, dis-toi, t'as fait un nombre de critiques, faudra regarder ça. Et tu te dis, si t'avais fait le même nombre de critiques, je pense qu'on avait terminé quasiment en même temps. Au moins, on a réussi tous les deux. Bah voilà. Donc c'est pas aussi pété que la dernière fois. Bah après, la dernière fois, c'était très très compliqué. Avec les dieux, GG en tout cas. C'était assez simple. Bah, GG à toi aussi. Mais c'était un peu simple. Il a terminé. C'était un peu simple. Tu finis avec toute ta vie en plus. Moi, je terminais full bar, j'ai utilisé. En vrai, j'utilisais qu'un Senzu parce que le bloqueur de spé ça compte pas. Moi j'ai même pas utilisé, j'ai utilisé deux Senzu, je crois, deux ou trois Senzu. Ah bon? Ouais. Oh là! J'ai pas utilisé de Baba gueule. Ou de. Bah ouais, ah, mais. D'accord, ok. J'ai rien utilisé. Parce que moi il y a un tour en fait, il m'a attaqué trois fois ou deux quatre Senzu, fois, mais j'ai un. Deux Senzu. Normalement, ouais, c'est ça. Bon bah voilà, on espère que la vidéo, le duel. Le duel numéro 2. Vous a plu, tout simplement. Merci d'avoir regardé du coup. Je sais pas du coup le prochain duel sera quoi.
peut-être un truc avec Gatai. Oh putain, avec Gatai, on va faire un duel de ouf parce que Gatai, il peut partir des fois deux fois, on se fait par tour. Donc ah ouais. on va morfler. Oh bah... Ça va être un duel assez intéressant. Il va être assez intéressant. De toute façon, on verra si le duel vous a intéressé. Essayez de le faire chez vous. De toute façon, il y a le chrono, vous pourrez voir en combien de temps je l'ai terminé. On va mettre un chrono. Et donc, du coup, là, on ne sait pas parce qu'on mettra le chrono ensuite en post-prod. Oui. Mais je pense que ça a duré 4 minutes. Et dites-nous si, je pense que c'était rapide. Non, 7 minutes peut-être. 7 minutes. Je ne sais pas du tout. Bah, de toute façon, j'ai aucune notion là de combien de temps j'ai mis parce que j'ai joué. Non plus. on espère que ça vous a plu du coup. Exactement. Essayez de le faire chez vous et vous nous dites en combien de temps vous l'avez Discord, réussi. Twitter. Si vous avez réussi, sur Discord, sur Twitter ou même dans les commentaires. Comme vous voulez. Voilà donc. Bonne soirée à tous. Bonne journée. Bon appétit ou bon ce que vous voulez ou bon jeu. Comme d'habitude, vous avez l'habitude. Voilà, salut les gars. Et puis prenez soin de vous les gars. Si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous s'il vous plaît. Mais avant ça. Il y a déjà quelque chose à faire. Vous cliquez le petit pouce bleu, parce que comme ça aide à la booster, comme on dit, pour qu'elle monte dans la diffusion, en fait, pour qu'elle soit présentée à davantage de monde. Voilà. Et puis, si vous voulez mettre un commentaire, il est bienvenu, parce qu'on essaye d'en tenir compte pour continuer à faire avancer cette chaîne. N'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous me donnez des moyens de puissance qui font bien enrager mes adversaires.